tonton Lélé. Je suis arrivé dans la bière un petit peu par hasard, donc moi j'étais dans l'informatique, développeur, voilà, gérer des projets en PHP, en Java, tout ça, sans m'épandre. Et puis j'en avais un petit peu marre, j'ai voulu changer de voie et j'ai découvert la bière en fait dans un bouquin. Et je me suis pris de passion pour la bière, à en faire à la maison pour commencer, et puis ensuite à me dire bah, pourquoi pas en faire un métier. Donc voilà, donc c'est parti de là. Et pourquoi la Minotte? Parce qu'en fait on est très petit, on est parti avec très peu de moyens. Minotte, donc en Provence, c'est une gamine en fait, une effrontée. Donc l'idée, c'est qu'on a retenu un petit peu la typo comme ça, au paintbrush, façon très scolaire. Parce qu'il fallait faire, on en parlait tout à l'heure, il fallait faire nos gammes, il fallait, voilà, c'est un peu l'école de la bière ici, quoi. C'est pas l'école des fans, mais pas loin, quoi. C'est les fans de bière. On fait de la bière déjà pour commencer. Après, bah, on a un lieu un peu atypique, assez grand. Donc c'est un brew pub en fait, c'est un bar adossé à la fabrique. On peut y consommer donc tous les soirs, du mercredi au vendredi soir. On peut y consommer donc des bières à la pression qui sont produites ici même. Ensuite, on fait régulièrement des soirées concerts. Pour le moment, c'est un vendredi par mois. On devrait accélérer le tempo pour que ce soit. On ait vraiment un planning de concert sur les 4 prochains mois plus dense. Bien sûr, donc des cours de brassage. Cours de brassage qui ont quand même pas mal de succès, beaucoup de succès. Donc, dans le même sens que soirée qui se passe très bien, on va devoir augmenter un petit peu les cadences parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes, et notamment pour des CE, pour. Voilà. Que d'étoffer la gamme avec une gamme peut-être un peu plus premium, avec notamment des bières qui seront vieillies donc en fût de cognac, en fût de rhum, en fût de whisky, donc tout un tas de nouveautés qui vont paraître là cette année avec des bières vraiment très très atypiques. Oh,